On se souvient, en finale de la Ligue des Champions, une finale perdue face au Real Madrid. Ce sera intéressant en tout cas de suivre ce Paris Saint-Germain, une équipe du Paris Saint-Germain qui était apparue émoussée physiquement, ce qui est tout à fait normal en phase de préparation. Fautif, mais également exclu. Ce sera donc intéressant de suivre la prestation d'Alphonse Areola, prestation de cet homme également recru du Paris Saint-Germain en provenance de la Real Sociedad, Yuri Perchich, titulaire pour la première fois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il était rentré une grosse vingtaine de minutes contre Tottenham. Il est titulaire ce soir. La sortie des joueurs. Vous avez peut-être aperçu la collade entre Edinson Cavani et le jeune joueur. Là aussi, vous allez apprendre à découvrir. 20 ans, joueur Boca en Argentine. Il est arrivé à la Juve. C'était dans le cadre du transfert de Carlos Tevez à l'époque. La Juve avait une option sur ce joueur. Ils ont décidé de... Germain, Areola dans les buts. C'est un match contre Tottenham. Important pour Areola contre la Roma. Lors du premier match. Allez, c'est parti pour la dernière grande répétition du Paris Saint-Germain avant le trophée des champions samedi prochain contre l'AS Monaco. Troisième et dernier match sur le sol américain pour les coéquipiers d'Edinson Cavani. Un nul contre la Roma et il y a eu une défaite contre Tottenham. Un bon bras servi, Higuain. Dybala, Higuain, Higuain pour le face-à-face, et ça va aller au fond. L'ouverture du score pour la Juventus de Turin. Higuain qui est au tout départ de l'action, il fait l'effort pour récupérer ce ballon. Petit relais avec Dybala. Et il y a eu aussi un travail de Mandzukic, on aura l'occasion de le relâcher. Il est intouchable, regardez Thiago Silva, il ne peut plus défendre, il est pris. Kimpembe est également pris. Areola battu, la Juve ouvre le score en toute fin de première période. À la justesse technique du buteur Gonzalo Higuain, 24 buts en Serie A la saison dernière, et pour le moment il est toujours à la joue. Là, c'est passé pour Di Maria. Di Maria. Festival de Di Maria, but de Guedes, un partout. Italien. Regardez le bon travail avec Kurzawa, Di Maria, fin de centrée. Et il va au bout de son duel. Guedes est servi, plat du pied, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Rien à dire, c'est bien joué. Di Maria confirme. Il confirme ce que l'on disait en première période. Il est en forme, André Di Maria. Et il le prouve ce soir. Emery a décidé de le laisser sur la pelouse pour la seconde période et il vient faire la différence et offrir ce ballon. Ça fait 2-1 pour la Juve. Ballon perdu par Kurzawa. Et derrière la sanction est directe. Le très mauvais ballon de Kurzawa. Regardez Moïskine, il ne repart pas extérieur. Il insiste, très bonne passe dans le jeu, il n'a quasiment pas touché le ballon. Si ce n'est au pied il y a quelques secondes. Et il est battu.